On sent une équipe qui joue pas mal, mais qui pourrait encore faire mieux, ou pas? Sur le plan comptable, c'est moyen plus, on va dire. Avec un peu plus de réussite et encore un peu plus d'ambition, c'est vrai qu'elle pourrait avoir un meilleur placement. L'arbitre aujourd'hui sera monsieur Dos Santos. Et la voilà la frappe. Oh, s'il marque. Oh oui, le but. Ils prennent l'avantage grâce à ce but. L'équipe forte qui est donc logiquement récompensée. Les coupons, ils sont supérieurs depuis le début. Ils se sont créés plus d'occasions. Et avec ce premier but, le match risque de prendre. Un bon ballon d'attaque. Dos Santos. Attention à la frappe. Et ça fait but. Et ben voilà, avec ce but, ils confortent leur avance. Et c'est son deuxième but, son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? 2-0, ils ont à présent une avance confortable. Et le public qui se manifeste, et une partie. Là, ils vont regretter d'avoir concédé cette faute et ce coup franc. Une action limpide que l'on va pouvoir apprécier avec ce ralenti. Magnifique! Une frappe de balle très pure sur ce coup de pied arrêté, Edgar. Choisit la frappe. Et elle est au fond. Ah, le tir qui est resté au sol, hein, qui finit au fond des filets. Le score, vous le voyez, c'était 3-1. Et cette rencontre qui s'achève à l'instant sur cette belle victoire 3-1. Les joueurs qui enchaînent avec un nouveau bon résultat.